Attention, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous pouvez cliquer sur le petit bouton pour essayer de comprendre ce qu'il se passera également dans cette vidéo. Merci de rester patient durant les 5 secondes qui vont suivre cet avertissement sonore. Dans le cas d'une chimère exotique de catégorie 28, il vous suffira d'employer la procédure habituelle d'envoyer collatéralement des shampoings et des dahus sauvages. Cordialement, R.O.G. C'est qui a joué tout à l'heure? C'est toi? C'est... Subtilisation, vas-y, ne tords pas trop la manette, très bien. Don't worry, man, be happy. Oula. Because I'm a fucking caisse à savon. C'est à gauche et puis à droite. Fais gaffe. Elle tourne pas? Oui, je sais. Oh! Comment ça, elle tourne pas, hein? Hein? Oh, merde. Ah non, attends, il reset ou pas? Vas-y, essaye. Non, reset. Non, reset. Oui, oh, ça va. Yeah. Mon dieu, il y a les resets. Bon, bah, on va faire des belles cascades alors. Ouah, c'est abusé. Et quand je tourne, elle se casse la gueule. Je sais. Mais what? C'est pour ça que t'es dingue. Dans le cours, ça pourrait être rigolo parce que du coup, on serait monté sur les autres et tout. Oh le bordel. Et si je vais sur la montagne à gauche? À cheval ou pas à cheval? Le mont sur la montagne. Oula, what? Le lag. Oh, le lag. Oh, non. Oh, oh. Elle est même pas abîmée. C'est une Warrior! Oui! C'est une voiture. Oui, mais c'est une voiture Warrior. Regarde, c'est une naine et elle a rien! C'est une voiture Warrior. Mais remets-la! C'est pas possible! Start! Ah! Mon dieu. Oula! Ok, elle part pas. Aussi. Ça, ouais, notre connexion pour en couille! Notre connexion pour. Ah non! On fusionne avec les rochers! Oh non, encore une scène! Bon, reset. Ouais. C'est bon? Fais start? Select? Ah non, là c'est chelou là. Select? Oh, refait longtemps. Il y a 300 de ping. Oh. What? Oh. What? Allez, je veux faire le saut. Mon dieu, c'est dommage que ça marche pas bien. Ouais. Bon, je pense qu'on va aller en solo, on s'amusera tout autant. T'imagines avec 100 gens sur un circuit? Ben le jeu, il tourne. Non, mais sur un putain d'ordi de la NASA de type. Ah oui, non, mais là c'est bon. Non, mais même oui, pas non, mais de la NASA, il faut plus non, puissant. Enfin, oui, non, parce que je veux dire, juste sur un ordi plus puissant, mais t'imagines le gameplay sur avec 100 gens. Bah, le problème. Il y a un problème qui se pose déjà, c'est que la route n'est peut-être pas assez grande. Bah oui, c'est ça. Parce que là, on est 20 et on prend quasiment une portion de la route, donc ça veut dire que ça ferait déjà un problème là, tu vois. Ah oui. Bon, allez, conduis bien. Je sais que tu peux le faire. Parce que je suis un pilote de grand talent. Il y en a déjà, ils. On va nommer alors. Alors, toutes les voitures jaune-orangé, ce sera Rodrigo et Pablo. C'est ça. Ne me demandez pas pourquoi. Noir-blanc, il y aura Philippe et Sébastien. Ouais. Et toutes les autres, ce sera Freddy et Jean-Philippe. Et Jean-Philippe, évidemment. Et Roger, on le voit à l'image. Bah oui, tout à fait. Donc là, on a Freddy à droite. Non, merde, j'ai dit quoi? Il y a un deuxième Roger derrière. Mais quel monster! Oui, regarde. Oh putain. Oh là là. Quel vilain. Attention. Ouais. Oui. Ah oui, c'est lui. D'accord. Je crois que t'es lié, c'est lui, mais non, il a mélangé avec le. Bah non, c'est. Bah ouais, c'est lui. C'est le circuit en 8, ouais. Putain, les hystériques. Oh là là. Vilain. Oh putain. Je suis un vilain. Roger, à consommer avec modération. Oh là 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 là. Oh putain. Ton, ça va, elle est bien. Bah, franchement, on l'avait laissé les bons réglages, donc c'est bon. Ouais, elle gère. Attends, je vais me rapprocher du micro. Aïe. J'ai dit micro, pas du mur. S'il vous plaît. Il y a une voiture, il y a... Oh, l'accident. Allez, demi-tour. Ah. Fais gaffe, on est meurtri, sinon c'est rigolo après. Non, pas du tout. En fait. Ouais. Non. Ça veut rien dire comment on parle. On s'en fout. Oui, on n'est pas là pour dire quelque chose qui veut dire quelque chose. Ça me paraît d'ailleurs, logique. En apprenant, enfin, étant donné que je suis sorti de mon année première en français, enfin avec le français, que j'ai enterré le français pour une fois, pour cette fois et cette dernière fois, j'ai pu quand même voir pas mal de courants artistiques. Et il se trouve que quand même, on ressemble déjà à des choses qui existent dans notre façon de penser. Ah ouais? Ouais, et que... C'est bon. Enfin, je sais plus si c'est... C'est un peu entre l'absurde... Bon, il y a de l'absurde, c'est forcé. La philosophie de l'absurde, elle y est forcément un petit peu. Il y a un peu de surréalisme, quand même. Beaucoup. Pas mal, ouais. Un petit peu de symbolisme, des fois, quand on part en live, quand on fait des phrases... On peut dire, mais enfin, du symbolisme, la voix. Ouais, seuls nous peuvent. Enfin, bah oui. En fait, seule la personne peut comprendre en quelque sorte, tu vois. C'est ça. Après, si quelqu'un arrive à comprendre, c'est que. Ah bah là. Là, il y a quelque chose. Ah bah ouais, là c'est rigide, là pour le coup. Ah, ça, c'est très rigide. C'est complètement rigide. Tu sais, c'est genre. C'est la.
Oh putain. Ah voilà, par exemple. Oh non, Roger a tué Roger. Oh le vilain, oh le traître. C'est un rogicide. Oh le traître. Oh putain, on a eu quand même deux trucs en étant mort à la moitié de la course. Bon allez. Oh le vilain. Allez, restart. Allez, attends, allez. Laisse-moi un peu vas-y. Faire ronronner le Roger. Oh, ronronne. Ah oui, ça me rappelle des choses. Attends, vous mais oui. Là, ça, c'est un ronronnement au cas où. Oh putain. Ah, vilain. Ça, c'est un chat. C'est un chat qui est pas content. Rétro à droite, rétro à gauche. Nickel. On continue. Tu peux effectuer le dépassement. Oui. Dans cette situation, l'usager a utilisé son clignotant. Pouvez-vous le décalquer sa race? Oui, réponse A ou oui, réponse B. En cas de pluie, pouvez-vous glisser jusque dans son rétroviseur? Quelle distance d'arrêt n'est pas nécessaire pour lui exploser la portière? Est-ce que je t'ai... Oh putain, un Rodrigo. Est-ce que je t'ai dit la question, parce que je l'ai dit à tout le monde tellement ça m'a semblé aberrant, la question sur laquelle je suis tombé le jour au code? Non. Lorsque vous devez laver la vitre arrière de votre voiture, devez-vous utiliser votre chiffon de manière horizontale? Réponse A, verticale. Non. Réponse B. What? Oui. Ouais. Mais pourquoi? Je sais pas, mais je suis premier. Mais je sais pas. Mais... Et la vitre intérieure en plus, hein. La vitre intérieure. Oui. Mais what? Ah mais si, bah oui. C'est horizontal, parce que tu sais, il y a les petits filaments là qui font le chaud. D'accord. Et pourquoi? Bah pour pas les abîmer et pour pas qu'il y ait de la crasse qui se mette dedans. Je pense. Mais c'est vrai que c'est assez con comme question. Mais est-ce que ça va te sauver d'un putain d'accident? Non mais... Putain, j'imagine trop la scène et tout. Chérie, vite, prends pas notre signalisation orange triangulaire. Mets ton manteau, je vais laver le vitre arrière. Oh là là. Non, et prends ton chiffon horizontal, sinon ça va pas marcher. Non, chérie, pas vers le chiffon horizontal. Et on nous informe dernièrement qu'un couple aurait explosé dans la voiture. Elle c'est n'aurait pas appliqué vie, hein. Le chiffon de manière horizontale. Faites bien attention. Oh putain. Ah, non, ils ont craqué quand même. Putain, ouais. Et je passe étrangement bien. Hein. C'est étrangement étrange. Exactement. Ce qu'on fait souvent, c'est cette sorte de d'adjectivation et ensuite de logiquitude, de chute ouais. Inattendue mais attendue. Quand même que c'est logique. Putain, mais qu'on n'attend pas quand même. Non mais là attends. Le prochain. Alors je crois que la course est finie, mais je vais quand même utiliser cette vue la prochaine parce que. Ah ouais. Et là c'est fini. Pour un beau crash là. Elle est où ma voiture? Elle est là. Mais elle est passée. Ouais, elle est passée. Oh là là. Alors, un beau jeu. This is amazing, man. Regarde, on va regarder les leaderboards, ça se trouve, just amazing. Regarde. That's awesome. Hop, wow. Hop. Oh. Wow. Ok, je suis loin, je suis très loin. Oh, j'ai fait combien moi? 34? 32. Ah, attends, on va regarder quand même. Ooh, c'est intéressant. Wow. Peut-être. Wow. Il a craqué. Oh my god, that's so fucking awesome. Wow. Ok, je crois que j'ai rien dit. Chut. Oh my fucking god, that's amazing. Wow. That is amazing, man. C'est pas une chanson? Si, si. Ah, d'accord. Bon, bah, je suis même pas dans les 1000 premiers. Oh, bon, on change de course. Too bad, man. Too bad, yeah. Too bad for you, man. I'm so sorry for you, man. On dirait un gros troll. On garde cette voiture ou pas? Just too bad, yeah. Ouais, elle fait partie des nouvelles, je crois. Enfin, je sais plus depuis quand on a fait la vidéo. Enfin, les autres. Yeah, I think it's just a new car, yeah. Yes. Yeah, of course, because. It's a new car. It's a new car, man. Oh putain. Tiens. Oh non, on est repassé. Vilain. Oui, on aurait dit qu'il était en train de traire la manette, en fait. C'était... Oh non. Assez psychosocine, j'ai repéré l'épi. Nous allons la traire. Ah. Allez, crayon une manette. Est-ce que ça marche? Oh, nickel. Fais comme tu veux. Vu intérieur, attends, vu pas intérieur. Il est ovale, le volant. Ouais. Mais d'où un volant est ovale? Bah excuse-moi, mais les volants de Formule 1, ils sont plus qu'ovales. Oui, hein, mais c'est pas une Formule 1, c'est une vieille bagnole toute déglinguée. Comment ça, c'est pas une Formule 1?
Bah non, c'est mieux. Comment ça c'est mieux qu'une Formule 1. Bon allez, mets la vue, couillon. Comment qu'on fait déjà? Triangulaire. Oh oui. Comme sur les vieux jeux. Oh oui. Voilà. Voilà, sympa. Tourne. À cette époque-là, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, il y avait encore des textures quadrandues. Bon, ok, d'accord. Non, la dernière fois que je disais que j'ai fait cette course, il y avait encore les textures quadrillées, en fait. Ouais. Oui, exact. Voilà, j'allais dire quadrandulaire, mais ça n'existe pas, donc... Quadrilatère. Quadrilatérisé. Très bien, ça. C'est quoi ça, c'est le Seigneur des Anneaux? Le thème du Hobbit. Ah putain. Ah putain. Ton monstre octopus, c'est pas de oui. Oh non. Oh non, le mur invisible. Oh, c'était un mur un peu bicongu. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. C'est bicongu. Et comme a dit un grand homme d'animé, eh ben si on n'était pas parti, on serait encore là-bas. Festival de la gorge séchée, moi j'ai déjà de mal à la gorge, c'est impossible. Ouais. Je crois que je vais me servir de l'eau après, j'aurais dû prendre un deuxième verre pour Roger parce que lui il va asphyxier de la gueule. Ouais. Surtout que moi ça fait depuis ce matin que je fais de la merde. Oh putain. Eh, je parie que tu es 12ème. Non, pas du tout, je sais pas quoi du coup. Comment... Non. Accident. Oh là 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 là. Oh l'esquive. Oh l'impact. Il m'a fait repartir. Ouais. Oh ah non. Vous croyez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de faire effort? Mais non, car en plein été, l'impact peut éclater. Attention. Mais avec Carglass. Ah non, bah non, faut pas citer de marque. Ah oui, si, bah, Carglass. Sur mort. Oh putain. Oh merde. Oh. Là, on peut citer Timberland pour avoir plié la bagnole. Complètement. Attends, la déglingance de... Reset. Regarde à gauche. C'est magnifique. Gauche. Non, regarde, bah, je sais pas, au-dessus, débrouille-toi. Attends. Regardez. Ah, le panneau. Non, ça suffit. Plus de Seigneur des Anneaux. Seigneur du panneau. Ouais. Tu sais qu'en plus, le tractopelle, pas le tractopelle, mais tu sais, l'espèce de truc, les engins de ouais. Les pelles mécaniques. Les engins de pelles mécaniques sont assez légers. Bah, pas celle-là par exemple. Mais tu verras l'autre tracteur, essayer de rentrer dedans au prochain. Ouais. Oh putain, ça passe. Oui. Je sens un deux roues prochainement, je sais pas pourquoi. Oh, non. je sentais bien, je sais pas pourquoi. YOLO, YOLOSHKA. Attends, ton. Oh, ah. Non, pas maintenant. Oh, merci l'arbre. Oh, qu'est-ce que je voulais te dire? Oh non, le vilain. Non, c'est le grappin. Le oui. Oh ouais, d'ailleurs, ce serait trop rigolo, mec. On prend la scène et puis on met oh le vilain. Qui est votre commandant? Le vilain. Ah si j'arrive ah à oui, le faire. Ah oui. Attends, ah oui, on fait après. Ouais, on fera avec un. Oh putain. Oh, c'est magnifique. Vilain. Oh. Casse-casse-casse-casse-casse. Nouveau d'avoir une reconnaissance éternelle. Mon dieu. Et le pire, attends, t'es combien de tièmes? Bon, t'es 8ème, je sais pas. Ah, 15ème, bon d'accord. J'ai pas vu. 15ème rempli. Bon, non, ça suffit, putain. Oh putain, mais quand j'ai un truc dans la tête. Ok. Tu croyais quoi? C'est tout en. Le truc, c'est en cagette, quoi. Abusé. Ils l'ont fait en papier mâché. Bon, on a un prototype de planeur, on fait ça en quoi? Ah, moi, je vote pour la cagette. Ça me paraît le matériel le moins résistant possible. À mon avis, ça doit être rigolo. Pour les essais. Oh putain. On l'appellera le Boeing cagette. Oh putain. Ah, c'est grave, hein, on est grave. EasyJet baisse ses prix. Easy cagette. Ils ont découvert de nouveaux avions en cagette. Nous ne garantissons pas l'arrivée ni le départ. Oh putain. EasyJet, payez-moi vol moins fait. Fan. Oh, non. Wouh. Merci. Il a passé la frontière. What? What? Et ça. Vas-y, fonce dans le tracteur. Lui Ah non, il est plus solide. Ouais, légèrement. Avant, tu tapais dedans les machins. Attends, je viens de me rendre compte qu'elle a un petit défaut. Là, on est d'accord pour dire qu'elle a un petit strabisme quand même. Légèrement, oui. Regarde, l'impact de l'arbre tout à l'heure, ça a fait un putain de... Oh là là, le creux. Vas-y, mets la caméra cinématique. Comme ça. Elles sont... Regarde, la différence. Non, tu... Oh.
J'étais pas du bon côté. Ah bordel. On a pas respecté les parfums. Oh putain. Les agents vérisés. Vas-y, on restart, restart. Vas-y, je vais me faire un. Là, je veux. Ah, ok, je pars pour faire du saut là. Regarde, regarde. Mais... Oh putain, oh putain, oh putain. Non, 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 pas la rochette. Roger, 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 Roger. Un Roger dans les Roger. Oh, j'ai eu peur. Heureusement que ça m'a traversé, hein, parce que là. Hein. Il y a un Roger qui roule, mais c'est comme nous. Oula, non, 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 la rotation de la machine. Oui, raccourci. Bah oui, bah oui. Ouh, ça raccourci, ça raccourci, ça raccourci. Oh ouais. Regarde. Elle fait un virage. Et nous, apprenons que et nous apprenons que le nouveau circuit sera fait à base de voitures. Regarde, 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 regarde devant. On dirait un flanc. D'ailleurs, en parlant de ça, blague à part, je pense que vous pouvez même le trouver sur internet. Ouais. Dans notre région, si vous tapez Lio voiture, je pense que ça devrait marcher. Enfin, Lio, c'est un truc qui est chez nous, c'est une petite ville. Il y a une voiture qui a fait une sortie de route. Dans un... La R8 là ? Non, pas du tout. C'est... Non. Ouais. Une voiture qui a fait une sortie de route, et elle est tombée dans un parking, je sais pas, 30 mètres plus bas en fait, et elle est retombée, elle a amorti de choc en retombant sur une bagnole. Et ça l'a aplati. Non ! Elle a moitié, elle est. Enfin, si tu veux, t'as la moitié du toit qui est rentré dans le capot, on peut. C'est n'importe quoi. What ? C'est, faut pas se l'imaginer aussi violent que je le dis, c'est juste que pour moi c'est tellement nawak. Donc, ouais, la manette qui a bugué. Oh, le mur ! Oh, tu l'as ? Attends, je l'ai. Tu l'as ? Je l'ai. Putain, la voiture virage. Oh putain ! Elle est programmée que pour tourner à gauche en fait. Merde ! Attends. Merde, non ! Oh putain. Garde ! On sort ! On a les pieds par terre. Ah, c'est ça ! Y'a qui a l'air, le mec ? La pierre a l'air 8. Bon. Oh là là là. Belle de merde, bonjour. Attends, il nous faut trouver des raccourcis ici. Non, pas... Oh non. Non. Ok. C'est rigide. Ah oh là là, la glissade capotale. Décapoté. Bah capotale, ça glisse sur le capot, c'est capoteux. Capotale. Oui. Attention. Capoteux, je peux. Putain, bichette. Oh putain. Hein. Il a pris Tarissimo. C'est le bichet. C'est aussi une agence de voyage qu'on vient de créer avec Thibaut. Le quoi? Tarissimo. Okay. Tarissimo. Trois fois plus cher. Oh putain, la branche. Ouh. Ah, ça calme. Oh, c'est tellement la bugué dans que la gueule, ça fait bugger le terrain, quoi. Non mais regarde-moi ce mortel. C'est abusé. Il devrait faire un truc genre un truc freestyle. Direct. Un truc freestyle avec que des sauts. Ouais, non mais c'est pas possible. Bah, regarde. Oh le panneau. Oh putain, c'est quoi ce truc? C'est quoi? C'est un char d'assaut. Quoi? Attends. Allons explorer. J'admire juste l'angle. Parce que je crois que c'est jamais arrivé. D'accord. Que ce soit dans l'histoire automobile ou dans l'histoire de Next Crime. Si, dans l'histoire de Next Crime, c'est forcément arrivé. Mais je sais pas. Regarde, on va raccourci direct. Oui. Alors là, c'est. Attends, là, je me demande. Attends, est-ce que dans ce jeu il y a des checkpoints parce que. Oui. Ah merde. Mais tu sais, t'avais. Non mais oui. Non mais c'était quoi? C'était quel jeu où on pouvait faire ça? Je me rappelle. C'est trop moche. Oh putain. Oh. Elle a. Oui. On perd les pièces du moteur là, ça servait à quoi? Je crois que j'ai perdu les pédales. Ah putain. Je pense qu'on va s'arrêter ce tour si ça nous met pas. Ah oui, tu te souviens quand j'avais perdu les pédales. Putain. Pas fini? Bon, bah je crois que je vais l'achever. Achevez-les. La montagne à gauche. Non. Non, il nous fait un beau saut. Oui. Là? Là? C'est bien ça. C'est rigide ça. Oui. C'est rigide, c'est rigide, c'est rigide. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh, 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 oh. Même pas? C'est pas assez rigide, putain. Bah... Il manque une roue. Ah, il manque une roue. Ça capote. Oh là là. Vas-y. J'ai devoir le faire en marche arrière. Je ne finirai pas cette course au nom de moi. Bon d'accord, je m'avais un peu trollé là parce que du coup j'avais cassé la voiture en fait. Non mais visez-moi en fait parce que c'est pas rigolo aussi. Allez, shootez-le. Oui, allez. C'est un échec critique. Enfin une victoire. Ben, bref, je sais plus ce que c'est. Un mort quoi. T'as fait poum. Si on résume. Laisse du silence. Oh non. C'est déjà. Je mettrai une petite musique rip. Rest in peace, motherfucker. Tiens, prends la voiture, tu prends cette petite. Ok. I think I will take this one. Cause this one
is amazing, guy. You know? It's just fucking amazing. Because, it's so well. You know? You know, man. He's drinking. Absolutely. Like, the Dr. Zoidberg, you know? Like Octodad. Exactly. Oui, oui, Octodad. The Magically Pulp. Ça s'appelait comment déjà? Octodad. Ah, il était énorme ce truc. Je m'en souviens plus, tiens. Alors, let's attends. Go, bitches. Oh, réglage. Oui, 4 fois, s'il te plaît. C'est la base. Est-ce que je t'enlève l'ABS pour régler? L'ABS. Ah, mettre Alf, non? Like you want. Ouais, alors, enlève. Direct? T'es enlève. Sûr? Et attends, c'est le truc. Non, non, faut enlever le différentiel. Je voulais faire du drift. Et l'autre, c'est quoi? Télésem, c'est les thèmes, Télésem. Non, c'est quoi? C'est Télém, c'est Télém, oui. Ah oui, non, c'est Télém. Où va-t-il? D'accord, je suis ici, je roule sur les murs. J'ai beaucoup de respect. Il s'est cru dans Cars, il y a une scène dans Cars, ça fait comme ça. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ah bah, je sais pas, je crois que j'ai jamais vu voir ma vie. C'est juste qu'il y a une voiture rouge qui s'appelle. Comment? Flash? Non, ouais, je sais oui, plus. Flash ouais. McQueen. McQueen. C'est ça? Oui, c'est ça? Ah oui. Mais mon frère adore ce film, et du coup, en fait, ça m'est resté le moment où il roule sur le. Et puis, comme j'avais à l'époque, j'avais un jeu sur DS, je crois. Oh non! Oula. Elle est trop rigide, tu es rigoureusement bloqué là. Oh non! Arrête, on est déjà copulé avec une barrière dans l'autre épisode, enfin dans l'autre partie du. Oh putain, mais je vais monter ça pendant des jours et des jours en fait. Hein. Ouais, mais c'est rigolo. Oh, c'est rigide aussi. Ah, mais tu sais, mais on est con, on aurait dû lancer un live en même temps. Comme ça, les gens, ils auraient pu avoir des retours directs. Ouais. Bon, à mon avis, y a pas beaucoup de gens qui regardent le Wreckfest. Ouais. Oui, parce que le jeu s'appelle Wreckfest. Et si tu traduis, ça fait. Avec une belle traduction. L'explosion rapide. Le festival de la destruction. Ah, fest, j'ai compris. Oui. Fast. Non. Wreckfest. Oula. Attends, il nous faut un film où il fait un deux roues. Taxi. Sur le oui. Trottoir. Bah oui. Non, je cherchais, il allait faire comme. Je sais plus, j'allais chercher un truc. Mais c'était. Oh. C'est où la route? Là, c'est là. Oh. Oh, le précipice. Oh, la destructionnitude. Oh, ça fait mal. Oh. Oh, c'est magnifique ça. Oh putain. Oh là là. Ouais, je pense que je vais me nommer la vidéo Mission Impossible. Ah ouais. Je vais faire une préface avec un écran noir au début avec la voix grave comme j'ai fait dans une autre vidéo, tu sais, ouais. Avec une voix transformée. Ouais. Il savait. Oh putain, un truc genre on leur avait donné une mission. Restez sérieux et sur la route. Tin. Oh non! Là! What? Ça y est, c'est devenu de la neige! C'est ça? Oh putain, ça y est! Ok! Le sol a accouché du monde! Par contre, il m'a gobé l'autre. Ce jeu a des tendances sexuelles, c'est pas possible! Attends, là tu vas pas me dire que les suspensions elles ont pas un peu bugué quand même? Légèrement! Elles font juste 3 mètres de haut puis elles flottent dans l'air! Y'a pas de soucis! Oui! C'est Rayman, non, mais attends. C'est la voiture de Rayman. C'est trop ça. Oh putain, j'en peux plus. Regarde ça. La hauteur du truc. On peut aller partout avec ça, tu sais. Bon, ils sont oh. Je vais te bouffer. Putain, faudrait même qu'on réinvente des paroles sur la musique de Mission Impossible et des vrais, quoi. Ouais. La vraie musique des Rogers. Enfin, pas Roger, mais c'est Mission Impossible, quoi. Mais tu vois, c'est plus fort que Mission Impossible. Tu vois, Mission Impossible, c'est le mec qui prend des risques. Ah mais là c'est... Nous le risque c'est de pas d'en prendre, tu c'est vois ça, c'est ça. Regarde, c'est Rayman. Wow. Fais un plan à droite, je te jure c'est Rayman. Le truc c'est... Regarde, fais C'est trop ça. Oh putain, c'est énorme. Faudra faire Rayman qui court à côté. Oh, trop compliqué, même avec un gif. Ah, ce serait rigolo. Ouais mais alors seulement si tu mets de côté. Ça marche pas. Là je peux le mettre pendant, peut-être, si peut-être j'arrive à trouver un gif, j'essaierai de le mettre. Fais gaffe, tourne, ah, Saturne. Oh. Oh non, dommage. On s'en fout. Ça, elle tient. Le bruit était sponsorisé par Roger Project. Oh. On l'appelle Papy.
Il est le seul qui n'avait pas détruit sa voiture. Et pourtant... Ah, le vilain, ouais, le vilain. Mais what? Regarde que... Attends. Est-ce que t'as juste vu que la voiture est passée sous et qu'elle t'a, elle t'a levé plus en mode... Plus ou moins. Oui, ah oui. Oh, Rodrigo. Oh. Oh putain. Non mais là, c'est exceptionnel. Alors là, c'est de la destruction. Attends, fais start. Attends. Fais start. Attends. Start. Ok, bouge plus. On va faire la photo. Très bien, au moins. Ah, la. Avec la roue en l'air, surtout. Bah oui. Ah, attendez. Là, il y a aspect, là, attendez. Merde. Attends. Le soleil. Là, il y a miniature de la vidéo, je suis désolé. Ouais. Là, alors là, tu vois, en haut à gauche, il y a marqué Roger Project. Ouais. Et là, il y a marqué Mission Impossible. Et là, on fait F12. Ah merde, il y a le truc en haut à droite. C'est pas grave, mettrai un truc dessus. C'est pas grave, très bien. Là, il y a la miniature, direct. Oh my god. Regarde le frein. Il traîne par terre. C'est le frein, ça, je suis pas fou. Ouais. C'est l'étrier. Reset car. Je vais y arriver. Non, mais non, tu ne vas pas y arriver. Je suis en train de mettre de la poussière sur l'écran. Bon. Ah ouais, désolé, on va devoir nettoyer. Mais... Man, quoi. C'est super ouais, Rayman. Oh le slide. On avait dit qu'on copulait plus avec les barrières, bordel. Je suis désolé. Ah. Ouais, c'est un vieux. Sans le châssis. Ah. What? Comme elle est maniable? Mais oui, mais elle est plus légère. Sans mon gros pot d'échappement. Oh le grand tu mes suspensions. Bon, allez, mords-toi d'ici. Regarde, tu fais des grappes.